Est-ce qu'on comprend? Oui, nous avons dit n'importe qui a la checké Gérald Altido là et puis n'a pas fait ça. Ah, et Gérald Altido? Gérald Altido. Gérald Altido, oui. Regardez. Ça veut dire que je ne connais pas ce qui passe même. Ce qui passe, je ne suis pas petit ça sur les réseaux. Il fait oublier tout le bagaille. Ah. Comment ça? Je suis quitté les réseaux sociaux, tout le bagaille. Je fais 10 mois avec la caille. Et puis je suis enceinte, je fais bébé ça. Je n'ai pas fait malgré ma pas qu'on saute il doit pendant ma parole voilà la terre où je me saute là bon vin là pendant me saute et pendant les mettre dehors la cali mon propre petit moi n'a pas de rive terre rouge ça me dégain passé au son notre bagaille. Il y a matin relé mes im ah pas gain le choix moi c'est sur un plateau central pour bien dire les im pas gain le choix les gain toi ça y est là moi même ça ah ça c'est moi même Géralda moi je me dis 7 pages Facebook c'est Géralda ouais debout regarde toute page Géralda tu dois toute forme et puis belle là tout c'est moi même OK Eh bien ça c'est où Géralda tout ça ça y est ah pardon ok on a ça qui passe même Géralda Eh bien ça qui passe je viens à jouer et me suis dit que central et me viens à côté de moi maintenant je me suis levé et devant la jambe de miati on a pas tout le gars sur le salon oh ça c'est où Géralda clé ça y est Géralda ça y est Géralda ouais est-ce que vous comprenez ça y est d'où ya ça c'est moi même c'est petit ça qui est à mia oui Eh bien, monsieur, je sais, je suis même capable de dire matin, les hommes, les gars, tout le monde veut l'école. Pas de choix, cherchons notre côté, vous m'allez. Monsieur, c'est mon bateau central. Je suis passé dans la radio Caraïbe, pas besoin de rien. J'ai juste besoin d'aller dans le pays. Il y a des gens qui ont fait un jeune, il y a des mamites, il y a des diri, il y a des louilles, il y a des diapers, il y a des lettres pour me battre avec une machine pour aller. Ok. Après, je ne parle pas de la vie. Je ne parle pas de téléphone, mais je ne parle pas de la vie. Je ne parle pas de la vie. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 C'est mon assez misère la place mais j'ai mis à l'autre monde là même mais tu es quand nous mettre garder sur les autres d'accord même quand on pile là nous ne diaspora avec maman tu en pile tu fais un petit en pile oui maman n'est pas loin non non elle aime d'apprendre d'être sur radio sur les réseaux sociaux faut qu'on ait beaucoup comme d'affaires et mes journées je dis à la mais t'as Gérald Lavigné D'accord, Géralda. D'accord. Bon, bon, mon cap vous aller. Mes amis, pas voulu me citer non, mais la fange ça va. D'accord. Ou ma mère font citer non là, Géralda. D'accord. D'accord. Problème moi à résoudre. D'accord. Antoine, tu as souligné hier. Nous pensons qu'il d'importance capitale. Et c'est un point tout qui était marqué si nous voulons. Petit échange que nous avons avec ancien parlementaire dans l'espace ça, guerrier Dieu seul. Qui s'allie? C'est cette question de confidentialité, si nous voulons, qui t'a dû caractériser le travail enquêteur, qui t'a dû caractériser, si vous voulez, investigation enquêteur. ULCCO. N'a pas changé, député a dit, il n'est pas normal pour l'ULCC à prendre public des documents côté non mon a cité et c'est pas un bien, ça l'a capable d'assimiler à un certain avilissement. Et puis il dit, et si à l'avenir, que mon ça n'est même pas gagné pour eux avec ça reproche l'IA, ça reproche l'IA ou ça reproche l'IA. Comment ULCC entend gérer ça? Et DFA a dit, plus loin, ULCC a parlé de plus de 86 millions de gourdes
li vann un kay ki se kaypal. Donc li pense les ULCC rend information ça ou bien information ça au public, il est capable mettre la ville en danger. Dans sens que le terrain doit sortir là, on est kidnappé, il dit bon, on saute fond affaire là, 86 millions goud etc. Non mais on n'a pas groupé. On va comme ça nous t'attendre échange que nous gagné avec ancien député là, on pas besoin de retourner sur détail. Mais nous te quel te nécessaire aujourd'hui pour nous retourner sur lui et pour nous garder le sous deux angles. Premier angle guerrier du seul, il y a l'aspect juridique de la question. Moi-même, moi pas avocat, moi-même, moi pas juriste, bah là pour moi chercher interpréter, comme il m'a dit, mais qui ça la loi dit sur telle ou telle chose, même si le député a fini évoquer là, intelligemment guerrier. Moi aller sur Google et puis moi taper loi portant création etc ULCC et puis rapide vite j'en ai fond les monter même si me pas bien chance les en détail mais au moins qui t'a couru passer li mal tombé sous quelques articles pour l'histoire et pour la vérité comme député a dit quelques bail dans tête li comme quoi m'a fait émission à un monde ou bien comme son monde qui t'a xy quelque chose bail. C'est quelques articles que vous voyez pour moi. Là, vous voyez articles pour moi. Donc, moi-même, moi, sur Google, moi, tapé loi créant l'ULCC, etc. C'est ainsi que mon décret, qui se décret 8 septembre 2004, qui lui-même est disponible en format PDF. Et puis, moi, ouvre le exactement dans l'article, mon yo, te suggéré mieux ou bien te proposé mieux. À lire les articles guerrier du seul selon compréhension t'allez bien pas bien me dit pas juriste les affaires m'a trop fort soit aspect ça selon compréhension à aucun moment texte là pas dit que fait travail yo fin pour du rapport yo. Yo bay résultat, yo transféré ba la justice, yo obligé qu'un bill confidentiel. Cependant, loi ou bien texte là ou bien article 9 la dit dans loi, directeur général là doit qu'un bill confidentialité. Résultat enquête li ou ak investigation li jusqu'à ce que dossier a clôturé. Et puis, vous transmettez les by autorité judiciaire pour les poursuites légales. Ça, vous dit ça pour nous autres. Automatiquement, enquête a fin fait, rapport produit, vous transférez le by la justice, donc il y a une information qui est connue, il y a une information qui est disponible. Mais même, vous êtes trop sous ça. Non, ensemble de pays, bon ensemble de rapports, bon ensemble de documents. Je me suis expliqué ça là déjà. Qui compte fuiter? Nous-mêmes, comme journalistes, nous devons utiliser toutes sources possibles pour nous joindre qui ça qui dit dans le rapport. Qu'on y a là, instance officielle, nous avons seulement pour confirmer pour nous. Nous faisons ça dans quelques dossiers. Par exemple, il y a plusieurs rapports DCPJ produits à travers soit. Bureau des affaires financières et économiques BAF ou bien à travers bureau des affaires criminelles BAC. Mais c'est des rapports qui pas forcément disponibles pour grand public là. Mais nous autres comme journalistes avec sous nous, nous allons essayer de regarder comment on a obtenu des éléments ou bien un rapport à même, nous venons partager l'information. Qu'on y a là, si c'est des éléments sensibles, des informations sensibles à partager, qui sont capables déranger en quelque sorte. Exactement. Donc, à ce moment-là, on est obligé, rassurez-vous, que l'institution en question, lui-même, lui confirme l'authenticité du document. Et ça, tu as besoin. Oui, ça va parler, c'est vrai. Aux États-Unis, il y a plusieurs médias, Washington Post, Miami, Herald, pour me citer ça seulement, qui ont fait état d'un ensemble d'informations, mais qui n'ont pas forcément des informations officielles, ou bien que le grand public n'a pas forcément connu.
mais c'est fuité le fuité. Donc ça fait qu'arriver, ULCC, depuis le défin faire enquête, depuis le défin faire résultat, depuis le défin transmettre à la justice, et puis le document va être disponible. Mais ça fait qu'arriver moi comme journaliste, de dégager, combattre Jean-Jacques, multiplier contact, vous comprenez, croiser sous, etc., pour me garder. Qui sa rapport dit, qui sa conclusion yoye. Quand elle est un petit peu dérangeant, à mon sens, c'est pendant qu'elle fait enquête là, et puis, il y a des informations qui ont fuité. Enquête beaucoup finie, rapport beaucoup produit, et pour tendre, ah, mon cher Intel là, vraiment, lui, parce que Intel vole, oui, Intel ceci, oui. Là, je pense que c'est un problème. Mais si enquête finie, yo fait rapport, yo transféré le bail à la justice, pour moi même beaucoup grand problème non si un journaliste a lui même bon on prend le cas ULC c'est a décidé lui même par un public lui simplement venir ba conférence pour la presse il dit bon yo produit 11 rapports pendant période X rivé Y yo transféré by la justice etc. maintenant qui niveau ba yo mais moi même comme journaliste puis la République pense me d'après constater seulement de sa directeur ou bien responsable yo, au niveau de l'unité de lutte contre la corruption. T'as dit. Par contre, sous comprenne. Il y a Dieu seul. Je suis décidé de dire, ok, je vais chercher qu'on est. Dans le rapport transmettre par la justice, yo, qui est-ce qui est épinglé, qui dossier yo yé? Ça t'est arrivé, je vais accès à tout, mais c'est certain, je vais là et puis me disposer d'un ensemble d'éléments qui fait que le conseil de dossier m'évoque là. Par contre, sous comprenne. Ça, c'est le premier aspect, je vais dire. Aspect juridique là, je ne vais pas trop foncer là-dedans puisque ce n'est pas le domaine. Pam. Mais à la certaine logique, tout guerrier Dieu seul. Il y a parlé là, surtout dans le cas de député Alfredo, de l'État. L'État, pas au service d'un particulier ou d'un groupe. L'État, lui au service du pays, lui au service de la nation, lui au service de la société. Donc ça veut dire qui ça? Tout ça qui concerne l'État, guerrier Dieu seul. Depuis, ce n'est pas des bagailles qui sont pour avec question dossier top secret ou bien des bagailles qui classifient top secret. Depuis, ce n'est pas dossier qui sont pour avec sécurité intérieure de l'État pour que sa information va être disponible. Et je dis à gros, ça ne va nous pas qu'on qu'à passer en administration publique. Là. C'est parce que nous avons un problème qui est l'accès à l'information. Mais nous sommes de grands pays. Bon, c'est une de information qui est plus disponible à guerrier. Oui, des bouffées de mode. Et des de bouffées suivies. Wab... Que je dis avec question nouvelle technologie. Ou taper, etc. Et puis, information défiler devant. Que tout. Mais son besoin qu'on ait, etc. Et pour gagner les manames. Mais je dis à nous, nos pays, côté problème accès à l'information, son problème qui est criant, et son problème, même journaliste, le mettait dans une situation difficile, voire pour le simple citoyen guerrier du seul. Mais sinon, on sait de l'activité, on sait de l'institution à entreprendre, on sait de l'argent qui a dépensé, contrat qui a signé, c'est le bail qui était disponible. Puisque ce n'est pas l'argent qui mal, qui fait la dé aussi. Vous respectez tout le principe. Pour qui ça, il n'y a pas disponible au côté que l'ONA achète un CAI, que l'on fait une école de formation continue. Que CAI ça coûte l'ONA tant comme, etc. Mais qui l'a commencé à faire travail, mais qui le travail a fini. Et CAI ça a acheté le nom de tel monde. Bon, même le patavlé dit tel monde, par exemple. Okay. Mais CAI ça, il a acheté l'écoute l'État tant, mais qui ça projet a mais qui est-ce qu'il a exécuté le projet a, mais sous qui période. Pour qui ça peut être disponible. Mais à la plupart du temps, on vient comprendre, il y a une raison qui fait information ça yo toujours pas disponible qui fait ou obligé, c'est là où fait scandale pour qu'on ait. C'est parce que c'est des bagages qui fait en bas table qui pas respecte aucune norme, c'est ça, oui, nous comprenons. Mais si son bagage qui était fait selon les principes, selon la loi, ça le gars pas être disponible au côté des pour qui besoin comme citoyen ou à regarder. Ou même comme journaliste, ou besoin d'informations sur telle acquisition l'État fait, ou qu'on côté information disponible d'elle. Mais tellement, n'est qu'à prendre des engagements dans l'État, tout au moins, n'est qu'à engager l'État. Yo, yo fait le mal, yo fait le bénéfice par yo, avec bénéfice aux amis yo, ou bien l'autre groupe. Donc, yo toujours une série de bagages qui louche, y a caché.
c'est là où fait scandale ou bien les gens enquête qui fait sur yo ou bien les gens qui fait dénonciation c'est les sobral connaît oui tel bagarre était fait vrai ni tel bagarre vidéo pas fait comme ça etc. Donc n'a parlé de l'État. C'est pas monsieur Alfredo Antoine qui gagne bien qui décide devant nos particuliers qui fait transaction avec un boîte privé. Peut-être mon degré concerne des droits dit ah c'est vie privée citoyen bah, qui garde depuis le pas enfreindre la loi etc. pour la justice c'est vie contre lui. Donc nous pas besoin faire ça font scandale nous pas besoin parler de ça. Mais on va parler de l'ONA qui sont institution l'État l'argent prend lui peut-être et payer ça l'acheter c'est pas l'argent un directeur général c'est l'argent l'État ou bien si c'est l'argent ONA c'est l'argent pensionnaire l'argent moun k'ap travay yo puisque yo gen cotisation yo prend l'argent sou yo chaque mois que ce soit dans privé que ce soit dans l'État et bien c'est l'argent moun sa aujourd'hui a qui a fait des achats qui a dépensé et bien s'il a dépensé la République de connaît comment l'argent ça a dépensé est-ce que le bien dépensé ou pas si c'est l'argent privé on k'ap dépensé qui met les derrière nèg a gen 100 millions le bon matin l'acheter pour 90 millions la donne a vie privée qui met le nèg la te gagner et bien lui décider de venir avec l'autre monde ça est vie privée maintenant si nèg la enfreint la loi il y a l'autre instance qui a saisi contre lui sans qu'il pas besoin préoccuper nous même dans pays par contre sous c'est clair problème. Donc moi te vle rappeler ça on va parler de ONA on a parlé de ancien député qui vend ONA on caille et une enquête qui fait dans rapport d'enquête là dans conclusion enquête là il y a relevé si vous voulez des irrégularités, des anomalies, on va dire comme ça, autour de transactions. Par contre, vous comprenez. Donc, pour nous autres, ce n'est pas peut-être capitaliser sur l'information qui est disponible, mais c'est garder sous véracité fait. Est-ce que c'est vérité? Est-ce que effectivement, c'est un cas que on a acheté? Non, mais qui est-ce qui a acheté? Combien de li acheté? Est-ce que contracté signé entre l'ONA et particulier ça, l'été signé conformément à sa norme marché public qui mandé, à sa règlement ONA mandé, etc. C'est ça qui doit intéresser nous. Et pour qui ça, l'été doit faire comme ça selon la loi, il pas fait comme ça, fait dans l'autre genre, c'est ça qui doit intéresser nous. Comme citoyen. Parce que c'est pas l'agent directeur général ONA, c'est pas l'agent directrice adjoint ONA qui fait transaction. C'est l'agent moi-même, l'agent ou même qui travaille, l'agent pensionnaire. Yo. Parce que chaque mois, la guerrière de seul, que l'entreprise publique ou privée, patron pour l'agent sous le pays ou non. Bon, bien que vous avez dit patron, patron pour l'agent sous le pays ou non. Donc, ou pas qu'à décider, ou même comme ordonnateur, ou même comme directeur général, comme ministre, dans n'importe quelle décision, ou dépenser l'argent, j'en voulais. Comme beauté sans pas là, comme ça, mon cher. Donc, chaque centime qui est dépensé dans l'État, tu as un côté disponible. À Waldo, mon tégué doit apparaître, il dit ok, bah là, il y a une activité qui fait là, qui l'argent qui est dans le budget, telle institution, qui ça le fait avec elle. Il doit être disponible. Il doit être disponible. Donc, ça fait que tu as parlé de confidentialité, l'argent fin gagoté, etc. Et puis, où tu es vrai que tu as des informations pour le pacte public. Comment ça? Bon, je ne sais pas comprendre ça. En tout cas, moi, pas de problème pendant l'enquête là, effectivement, l'institution qui a mené l'enquête là capable de garder une certaine confidentialité ou bien confidentialité. Parce qu'il n'y a pas quitté sur le monde, il n'y a pas obligé de marcher du monde, mais comme il n'y a pas quitté sur lui, mais qui ça mécanisme, mais qui ça rejoint toujours. Non! Mais une fois que l'enquête là fin faite, une fois que vous produit le rapport, vous clôturez l'enquête là, et la loi dit que l'enquête là fin faite dans le cas CCA, il doit transmettre les bails la justice, même si le dossier a beaucoup abouti peut-être dans le niveau tribunal pour verdict. Mais nous autres, nous cherchons qu'on ait sa conclusion. Nous cherchons qu'on ait sa conclusion. À l'étranger, nous changeons que plusieurs autres personnalités, grandes personnalités politiques qui étaient occupées des fonctions, nous aussi, nous sérieux de bagailles, etc. Bagaille à public. Mm-hmm. Vous comprenez? Alors, on parle de Donald Trump là, par exemple. Mm-hmm. T'es qui des bagailles qui étaient dit, etc. Vous comprenez? Bah, là, après la presse, on a parlé de lui jusqu'à ce qu'il arrive devant la justice. Et puis, nous commençons à dépasser. Donc, bah, c'est à ce niveau qui était important pour nous l'ouvrir fenêtre ce matin. Deuxième bagaille, guerrier Dieu seul. L'ULCC produit 11 rapports. D'après l'information qui est disponible au guerrier Dieu seul, l'agent, l'État perdu dans le détournement qui fait, dans le blanchiment qui fait, dans tout l'autre fait de corruption au guerrier Dieu seul, à travers 11 rapports, ça a été estimé
après ou à plus de 4 milliards de gouttes. Ma pour reprendre samedi. ULCC dans dernière catégorie ou bien tout dernier groupe rapport li rend public là qui c'est 11 que le transfert par la justice sous près toute l'argent yo dit l'état perdu ou bien ça l'état ça on considère comme des manques à gagner pour l'état guerrier du seul il y a parlé la guerrier de 4 milliards de gouttes. Alors pour 11 rapports à l'ensemble mais pour moi, je t'ai dit semaine dernière moi t'a aimé retourner sous lien encore guerrier moi t'ai dit que pour ça qui est dans la République, pour des autres nèg fait dans la République, pour corruption gagne en dans pays ça, notamment dans niveau administration publique là, pour gabji administrative nèg fait, ça ULCC fait ou pas représenter en rien devant sa perception. D'ailleurs hier, moi rappelé ça, jusqu'en décembre 2022. Haïti fait partie des 10 pays les plus corrompus au monde. Si bien que, selon Transparency International, Haïti occupait 171e place là sur 180 pays. Dans ça, où il est indice de perception de corruption. Donc, ça veut dire son pays, n'importe où on vire, j'aime dire, il y a là, il est corrompu. Donc, si ça, ULCC a dit, n'est pas détourné sous certaines périodes là, moi à avoir guerrier Dieu seul sans que ne pas vous remonter ni mettre des chiffres nous on elle pas représenter rien devant corruption qui s'y fait nous on elle pas représenter rien et ça fait nous même nous encourager travail ULCCO pour aller de l'avant il pas de rester là de l'autre dossier important tout qui méritait enquête faite sous yo nous supposer il y a des plaintes il y a des dénonciations il y a des correspondances pour attirer attention ULCC sur certaines choses qui n'ont tiwa institution. Moi, m'encourager ULCC travaille davantage. Travaille, même si demain matin, ce monsieur-là qui est à la tête de l'institution, Hans Ludwig Jacques Joseph, on va dire comme ça, même s'il n'est pas dans l'institution encore, guerrier du seul, n'importe qui est-ce qui t'a vite remplacé, c'est pas ça qui est intéressé, il faut que la dynamique continue. Je ne suis pas au courant, même certains qui ont aimer que ULCC accélère là-dedans. Moi, je fais choix, guerrier. Pendant que je parle de ça qui dit dans différents rapports ULCC, moi, juste rete sous ça ULCC dit. Mais guerrier, moi, j'ai des éléments dans même pour me dire approfondi, pour me dire des bagailles que ULCC n'a pas dit. Mais je rete comme promis pendant semaine ça sous contenu rapport ULCC. Mais dans les jours à venir, il m'a retourné sur à partir de enquête pas à partir de documents gagné à partir de informations gagné qui vérifié qui authentique on te parler pour question ou non on pense location de véhicules ça fait scandale en dedans ou non côté on dit comme ça que dans 20 mois ancien directeur général on a dépensé près de 20 millions gourdes pour louer machine seulement ou pense ces petits bails seulement gagné alors que directeur te vient avant monsieur a pour 4 ans dépenser 5 millions de gouttes. Donc, un grand écart, grande différence. À part de ça, ULCC peut être rapporté dans le premier rapport. Vous ne pensez pas qu'il y a l'autre cas de corruption qui puisse avérer sous les guerriers du seul dans l'institution? Pas jouer dans les guerriers. J'aime dire là, moi-même pour l'instant, je capitalise sur ça. ULCC dit, yo, puisque ce n'est pas moi qui ai fait, je dis, mais ça, ULCC dit. Mais moi, je dis tout, je dis, mais ça, je dis, à pas me faire. Non. Dossier bourse d'étudiants, ULCC, c'est pas que le dossier. Moi, je fais enquête, moi, parle avec mon monde de parler, moi, rencontre mon monde de rencontrer, et puis je viens de la République, mais qui c'est le dossier? Ouais. Et bien, tout profiter de nous ça au passage, c'est rapport ça m'a mis en dernier, parce que rapport ça n'est pas mené moi-même. Et lui, m'a parlé de lui en dernier, c'est vendredi 6 juillet. Rapport bourse d'étudiants, guerrier. Même j'aimerais que mon cap dit, il faut que ULCC font arriver dans le palais. Donc, on font arriver dans primature. M'encourager ça tout. Ouais. Tout ça. M'encourager ça tout. Moi-même, effectivement, moi, contre l'idée pour gagner des rapports qu'a produit, et puis pour c'est un groupe monde seulement t'a concerné. Moi, m'encourager, quel que soit monde, qui te
dans gestion dans tête en boîte que ULCC prend courage à deux bras. Mais ça importe peu à mes yeux que Mounsa lui-même était appartenu à tel ou tel chapelle politique. Ça pas garder. Ça pas garder, mais ça important pour moi c'est que bon travail qui fait. OK, qui ne pas qui dit pour pas passer inaperçu. Pas de problème que travail yo ka gen faille ou bien travail yo gen faille. Ben moi dis nous ça. M'pa vinn là pour m'vinn di depuis ULCC parler point bar. M'pa vinn là pour m'di rapport ULCC c'est des bagages qui parfait. M'pa gen compétence pour ça. M'pa vinn là pour m'di rapport ULCC c'est des bagages qui sans faille. Sans faille non. M'pa gen compétence pour ça. Même pas d'accord, personne prend radio pour dire comme ça que son rapport qui bâclé, son rapport politique, tout ça qui dit là-dedans, c'est menti. Non, je ne suis pas d'accord. Je plus encourager les gens qui croient que rapport à lui-même, il y a possibilité li bay pour capable attaquer lui et qui fait ce que de droit. Moi, c'est ça que je encourager. Et les démarches ont abouti. Si moun sa li pa gagné pour wè avec sa haute reproche là, monsieur yon nan moun k'ap vin la, k'ap di la République, monsieur blanc tankou la neige. Ça c'est pas un juge li baye pression, ça c'est pas un doyen li baye pression, ça c'est pas un série de groupe avocat qui gen zon et un série de juge li baye gros l'argent. Ça c'est pas moun li touye, ça c'est pas moun li menacé. M'ap gen courage pour me dire ça quel que soit moun nan. Mais en attendant que ça poko fait, ULCC c'est pas deux groupes amis qui décident, qui chient ton côté, qui produisent un rapport sur le monde, sur l'institution. L'État a payé des employés, a payé des spécialistes, des experts. L'État met ton budget à la disposition. Donc c'est l'État qui travaille. Donc pour qui ça? Pour m'pata, bah l'importance l'immérité. C'est une institution officielle. C'est une institution d'État qui dit, mais qui est surestimé dans tel niveau dans l'administration publique là. Qui te gagoté l'argent, etc. Guerrier du seul. Mais loin de toute l'idée pour m'davin là, pour m'ap dit, en tout cas, depuis ULCC c'est fini de parler, point barre. Bon, si on nous a perception, ça, c'est business pour. Même j'ai un tout, puis on nous pense que m'davin là, m'bral dit, rapport ULCCA, il n'est pas bon. Même si m'bral vin dit tout, son rapport qui s'en faille. M'bral vin dit ça. Cependant, comme moun qui parle avec un ensemble de l'autre monde dans le pays qui connaît, moi, les considérations personnelles, pas sur le rapport. Par exemple, guerrier du seul. Souvent, il y a un petit problème avec le rapport ULCCO. Je me suis dit au matin que je pensais, par contre, c'est une obligation, puisque je me dis non, je ne suis pas spécialiste dans la question de faire rapport. Mais je pensais que le tap important pour les gens qui ont indexé, pour enquêteur ULCC, te rencontrer tout. Ni pendant l'investigation, ni après, ils ont fini de produire le rapport, c'est ça. Et Zamim Patrick Alexis, t'as qu'à briller pour ces verbal de validation. Ça veut dire non guerrier cité dans le rapport, moins tiré conclusion, et puis avant de rendre le rapport à public ou bien vous voulez me voyer, moi les guerriers, je dis guerrier, tendez non. Voilà un rapport moins fait là, comme on te connaît, puisque on te fait objet d'enquête, mais sa conclusion, etc., mais qui s'en joint, mais côté non cité, bon, il y a ou bien deux raisons qui a fait que. Nous retirer non, etc. Pour yon, qui sont gagnés avec conclusion. Mon cher conclusion, j'ai tel problème là, j'ai tel problème. Pour qui ça? Donc si vous convaincant, enquêteur qui a des possibilités de même, pour yon retourner sur le travail là. Mais si vous pas convaincant ou guerrier tout seul, il n'y a pas nul. Ouais. Maintenant, à la fin, à the end of the day, que vous voulez signer pour cette verbale validation, hein? Que vous pas signer, mais l'histoire ou a retenu que vous êtes consulté ou souli. Pour yon dire, mais qui sa conclusion à pied? Par contre, si vous comprenez guerrier de seul, c'est clair. Ça peut être capable d'offrir une fenêtre ou une possibilité à moun qui est indexé, qui est épinglé dans le rapport yo, pour venir défendre tête ou bien pour attaquer le rapport. Je vais rappeler son œuvre humaine. Et ça fait moi-même, ma plus, pour elle faire sens, on moun qui a décortiqué le rapport ou bien qui a démonté le rapport pour dire mais qui fait le rapport, que un moun qui décide à tirer à boulet rouge sur le directeur général. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole Hans Ludwig, je ne suis pas en mille, je ne suis pas consultant, je ne suis pas avec lui, etc. Je suis là pour me défendre dans quoi que ce soit.
D'ailleurs, me dit dynamique hier c'est ça qui intéresse. C'est pas Hansi, Hansi pas là demain matin, mon l'autre directeur général qui a pas avancé, là bien support. Par contre, vous comprenez bien dit ça. Donc pour nous retourner sur ça d'abdia, perte que l'État enregistre guerrier Dieu seul. À travers ces 11 rapports, il est estimé à 4 milliards de gouttes. Moi-même, pas trop fort dans le chiffre, mais je suis certain, si je suis Edzer Emile Matin, je suis certain, si je suis Enomi Germain Matin, si je suis Patrick Alexis Matin, si je suis n'importe quel jeune économiste, capitaine de Matin, il y a plusieurs bagailles, 4 milliards de gouttes, ça est capable de faire guerrier. 4 milliards de gouttes, ça est capable de faire pile bagaille. Valeur une série de projets là, qui a souffert, que ce soit dans le niveau santé, guerrier Dieu seul. Que ce soit dans le niveau éducation. On pas dit 4 milliards de gouttes là t'après changer. Mais 4 milliards de gouttes ça si yo t'ai canalisé vers une série de domaines clés en de pays, on pas bon mentir guerrier du seul. Jodi a là au moins nous t'ai canon un petit bouc en étant bruit. Parce à défaut de développement à long terme là, mais au moins et bonne garder ça là. Parce que gen bagay k'ap bouger. Moun qui fait mathématiques, yo, fait évaluation, pour moi 4 milliards de gouttes de plus à taux du jour, combien comme liba en Amérique, on garde l'argent, université Saint-Domingue, ben nous, dans le niveau limonade là, combien le coûte? On garde qui ça, on l'hôpital peut-être de référence, ou bien un beau centre de santé qui équipé avec des matériels modernes, ça le t'a coûté? Et bien, on a essayé de tirer conclusion. Et pas oublier, me dit nous, dès le début, baga ULCCO, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc ça veut dire que ça, si on approfondit l'enquête, si on fait des enquêtes sous l'autre angle en dans même institution, ça, on va rendre compte que si 4 milliards de gouttes n'ont pas qui détournent là, ou bien que l'État perdu à son blague. Ou qu'à saisir, on l'argent, même nous, même nous, on va citer, on va 4 milliards de dollars, il y a parlé pour le Caribe. Ou qu'à saisir, l'argent est ici détourné à l'interne, il est dépassé de loin. Si l'agence à Venezuela te prête, n'a que n'a que gagoté, puis faut partir là-dedans. Par contre, je Donc, encore une fois, moi-même, m'a toujours qu'à encourager des institutions qui ont même mis en bataille acharnée contre la corruption dans le pays, ça, qui lui-même pas provoqué l'autre bagaille que misait que nous tous connaissons à gagner dessus. Et puis, n'a pas demandé la justice, les mêmes pour lever pied. Puisque le rapport n'est pas fait pour y aller dans le tiroir. Hein? Parce que son quantité de rapports qui fait déjà, Marie-Hélène Gilles te baille, 87 rapports que l'institution ça n'a pas de ULCC produit déjà, mais c'est seulement un seul monde qui condamné là-dedans, ça veut dire un seul monde qui a un jugement qui fait dans le dossier ça. Là, on a parlé de dossier Edric Léon, ancien DG OAVCT, qui décédé. Nous songez ça. Donc, organisation Droit Mounio, l'autre organisation dans la société civile, là, qui a fait pression sur la justice là, en lui-même pour qu'elle soit capable d'agir sur ensemble rapport ULCC produit. Patrick Alexis dit 4 milliards de gouttes là à tout du jour, on a parlé de 30 millions de dollars américains. Parce que plusieurs bagages. Il y a des coûté 2-3 millions de dollars guerriers du seul. Qui est capable de nous faire ça là. Vous comprenez plusieurs projets sérieux. C'est pas tibale, bidon. N'est pas plus de petits programmes, maman chérie, ma tante chérie, tonton chérie, ménage chérie, madame moi chérie. Bah, ça, on a parlé, non? Et bah, n'est pas venu dire qu'il y a fait apaisement, il y a fait assainissement. Là, on 10 000 goudons, on 3 000 goudons, 5 000 goudons sur mon cash, mon sérieux de monde sous base et des bagages politiques. N'est pas bien, ça, on a parlé, non? Guerriers du seul. En tout cas, LCC. Matin, comme annoncé, nous pourrons traiter un nouveau rapport dans le rapport ULCC voué par la justice dans le pays d'Haïti. Demain, si Dieu veut, nous parler de loterie nationale. Il a annoncé ça. Et puis, vendredi, nous parler de bourse d'études, ministère affaires étrangères. La Russie, etc. Nous connaissons dossier ça et dossier PAM. Donc, nous avons préféré parler de lui en dernier, guerrier du seul. Surtout, nous connaissons pas quelques dossiers dans la République qui étaient mérités que nous avons projeté sur eux. Mais pour nous avoir qu'un peu promesse, nous avons dit que nous avons passé au peigne fin ensemble de bagages qui dit en de rapport à l'CCO. Donc, nous avons continué avec série rapport et je dis à nous quitter
région métropolitaine n'a pas débarqué dans Saint-Marc à Kay Judia Pierre que ce petit bagaille qui concernait Saint-Marc tout guerrier. Rapport ça que nous pral partager avec nos matins amis auditeurs les concernait bureau APN Saint-Marc là. Bureau départemental de l'autorité portuaire nationale APN qui les mêmes trouvés dans la commune Saint-Marc, département l'Artibonite guerrier du seul. Alors, en grosso modo, pour nous comprendre, pour qui ça, ULCC était décidé à mener enquête souvelée au niveau de bureau départemental APN, non? C'est parce que il y a des dénonciations qui faites autour de une série de local que bureau a lui-même décidé de louer pour faire parking. Il y a du seul. Ça veut dire les bateaux vini, machines vini dans le pays. Avant même procédure pour des douanes abouti, yo gon côté, yo mette machine yo jusqu'à ce que mettre yo fin payer tout ça de payer comme droit taxe etc et puis après ça yo remettre machine là. Et bien les gars débat qui viennent joindre ULCC, ULCC était décidé constituer équipe comme d'habitude pour regarder qui ça qui dit ou bien qui ça qui vrai si vous voulez dans ça table dit concernant dossier ça. Guerrier du seul ULCC expliquer information à donner qui rivé joindre lui dans cadre enquête là, enquête qui concernait parking que bureau départemental APN dans Saint-Marc loué etc ou bien espace loué pour faire parking, et bien il révélé sorti octobre 2017 pour arriver septembre 2021 madame monsieur APN Saint-Marc là utilisé 11 parking, 11 terrains pour faire parking, 11 espaces pour faire parking, et parmi yo gagnon dans terrain ça yo qui appartenu à l'état haïtien. 10 lotes, c'est pour des particuliers. Je voulais noter ça. La douane au niveau Saint-Marc utilisait 11 terrains guerriers du sol pour yo parking machine, pour comprendre camion, petite voiture, l'autre bail, etc. pendant le processus pour mettre des douanes. Dans 11 guerriers, ULCC DIN sont seuls là pour l'État. 10 lotes, c'est loué ou loué ou. Non mais des particuliers. ULCC après poursuivre pour dire guerrier du seul. Jusqu'à ce que enquête ULCC a fini guerrier, commission a constaté dans 11 pas qu'il n'a pas les la guerrier, c'est 4 seulement qui utilisaient véritablement. Guéon qui pour APN et puis il y a 3 lots tout. C'est APN nan qui utilise l ou bien qui loue l non série de nan non série de particuliers qui ont même des terrains privés etc. Pas moi prendre ça me dire guerrier du seul. APN Saint-Marc utilise 11 terrains guerriers. Nan 11 là c'est 4 qui utilise qui yo servent avec vrai. Ça dit 11 ça yo payé. Non, seul ça pas payé. OK. 10 lot yo payé. Maintenant 10 lot là il y a 3 utilisés vraiment. OK. Ça veut dire que 7 lots qui a payé là qui pas faire rien. Et ça blanc dit, okay. Dit blanc. Oh, et ça veut dire c'est dit guerrier. Commission enquête là signalons l'autre côté. Contrat location avec propriété terrain ça yo, yo pas respecté aucune norme, aucune procédure guerrier. Yo pas fait conformément à ça la loi mandé dans pays. Patrick Alexis dit, yon na pi gros l'hôpital Taiwan by la République Dominicaine li coûte 18 millions de dollars américains. Donc 30 millions de dollars américains, ça, au moins de cabane, nous trois l'hôpital de référence environ. Merci en pile. Il était inauguré en 2005. Merci, monsieur Alexis. Commission enquête la signalé guerrier, contrat de location sa yo avec propriétaire terrain sa yo, yon pas respecte aucune norme et procédure. Ok? Qui gen pour avec ça n'a pas parlé là. Administrateur UPCA, alors pour monde qui pas connaît ça UPCA guerrier du seul, UPCA guerrier c'est ça mon yo
défini comme unité des ports et de cabotage UPC. OK? Li nan on direction qui est la direction du cabotage qui c'est yon nan 8 direction sectorielle direction générale APN. Parce que moi elle dit UPC en pile pour moun yo kawe de qui ça m'a parlé. Mon ami qui dit mes amis la santé mien va aller coûter 16 millions de dollars américains. Avec l'hôpital mien va aller. Coûter 30 millions de dollars et plus là. Par gain. Yo référence. Merci en pile France. On continue guerrier tout seul. UNCC dit non, ou là guerrier. Non, là, non, je veux. UNCC dit commission enquête là signalé en plus que contrat yo fait avec propriétaire terrain ça pas respecté aucune norme et procédure, mais administrateur unité des ports bien et UPC Gendabdia, unité des ports de cabotage, etc. Monsieur Grégoire Valsin, il n'a pas communiqué à la commission enquête là aucun document significatif qui a pour avec contrat. Qui ça monsieur expliquer comme commission guerrier? Je dis, tout bagarre qui fait dans le pays, dans ce là, c'est des bagarres qui fait dans bouche à bouche. Administrateur qui a parlé avec, attendez bien, enquêteur ULCC. Qui a dit seul? N'a pas signé pour dire. ULCC noté. Enquêteur ULCC a confirmé déclaration M. Valsin. Après, il a fait une visite sur le terrain. Et pendant la visite, ça, enquêteur a rendu compte. À part de reçu de paiement que le propriétaire du terrain a livré guerrier, il n'a pas existé pièce côté aucun document guerrier qui pour dire. Eh bien, l'État haïtien ou bien douane Saint-Macla loué tel terrain dans tel. Pas de pièces documents qui existent dans l'administration douane guerrier. D'ailleurs, ULCC a parlé. Le fait que pas de pièces contrat écrit qui existait, responsable APN Saint-Macla, yo pas qu'à prélever sa ou à compte provisionnel 10% article 19 décret 29 septembre 2005 là. Qui gagne pour eux avec impôt sur le revenu. ULCC a allé plus loin pour le dire. À partir de tout le monde l'étendé, parce qu'il parle à plusieurs monde. Commission enquête là arrivé découvrir. Un paquet espace ont utilisé pour stationner machine. Eh bien, pour qui est-ce qu'on est au guerrier? Yo pour des monde qui travaillent en dans douane Saint-Marc là même guerrier Dieu seul. L'étendé. Ou bien des monde qui gagnent des agences maritimes. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'institution en guerrier. Mais ça, enquêteur vous dit, madame, monsieur, vous autres capitaine de Bunga bien comprendre. En plus que tout terrain est loué, douane, à part de paiement ou bien fiche de paiement que le propriétaire a lui-même li baille, responsable, pas aucun document qui existait pour dire douane Saint-Marc l'a engagé à un tel pour tel bagaille, pour telle quantité d'argent. Mais qui ça y aller plus loin pour y relever guerrier? Yo joine que majorité moun qui loué à PN Saint-Marc là terrain pour faire parking, c'est moun qui travaille soit dans douane là ou bien moun qui gagne des agences maritimes. OK. Mais qui gagne lien avec institution en guerrier. M'a rappelé guerrier. C'est pas moi qui a parlé. C'est ULCC. C'est ULCC qui a parlé. Responsable APN yo dans Saint-Marc. Vous comprenez, guerrier Dieu seul, à partir de audition qui fait yo, yo joine un bon parti dans l'espace stationnement UPC loué yo. C'est pour des agents publics qui travaillent dans UPC Saint-Marc là, ou bien pour des responsables d'agences maritimes qui ont lien avec l'institution. Guerrier Dieu seul. Comme ça, yo joine. Gagne garage RGA Terminal qui lui-même c'est pour associer ça yo. Grégoire Valsin et John Altenor qui c'est respectivement administrateur UPC mais c'est qui coordonnateur tout direction générale de l'APN et gagné garage McDonald terminal à Chile terminal yo même yo pour deux moun yo pour monsieur Calenri Doriela qui lui même c'est caissier facturier dans UPC. Donc d'après ULCC
c'est en violation disposition article 2.6 règlement intérieur APN qui interdit tout employé, particulièrement tout monde qui dans hiérarchie APN pour faire partie d'une société commerciale, pour accepter en fonction dans l'autre organisme public ou privé si activité ça capable porter préjudice à intérêt APN. Gagné de seul. OK, OK. ULCC a aller plus loin pour dire. Yon l'autre bon. Enquête l'a révélé. À l'exception de monsieur Karl-Henri Dorielan qui lui-même gon acte d'apantage nan mel qui dit propriété ça ou terrain de stationnement ça l'île APN c'est pour lui. Tout l'autre monde yo guerrier pas gen yon nan yo qui ka prouver que terrain yo loué APN c'est pour yo. ULCC qui a parlé, c'est pas Johnny Ferdinand. ULCC dit, à l'exception de M. Karl-Henri Dorielan, qui lui-même gagne, non mais, un acte d'apantage, qui dit, ok, il y a droit de propriété sous terrain, ça, pas de pièce moun qui gagne des documents dans mes guerriers qui a prouvé, yo c'est des véritables propriétaires, espace ça, qui abrite différents parkings. APN yo guerrier du seul. N'a pas continué. Il y a ce par exemple, pour capable citer cas monsieur Sonny Millier qui lui-même fait valoir souvler on doit que le gain sous espace stationnement Sony terminal que loi APN c'est mac là mais qui pas en mesure pour présenter par commission enquête là acte constitution de droit à sa guerrier que l'a exercé sous terrain ça qui d'après ça le dit t'as pour un cousin qui relait Monville Saturné. C'est cas par exemple de monsieur Lenor Exantus qui louait APN garage Sympa Terminal pour une période 5 ans sorti 1er février 2021 pour arriver 1er février 2026. Et bien guerrier Dieu seul qui soit qu'on est monsieur fait avant monsieur louer APN terrain li loué le nom l'autre particulier. Et sans l'autre particulier, pas qu'on est guerrier, là, le fait comme là avec APN, c'est comme si c'était pas le. C'est pas le. Je vais reprendre ça pour mon yoga capable d'entendre. Ok. Je vais noter ça, c'est pas Johnny Ferdinand qui a parlé, c'est LCC. Guerrier du seul. C'est comme si on louait un terrain, non mais Jimmy Clité a jeune guerrier. Jimmy Clité a jeune, connaît, il louait guerrier un terrain. Pour 200 gouttes. Ya. Guerrier. Dieu seul qui peut être qui a protesté dans le douane, qui fonctionne dans le douane, qui tente de bon robe là, même terrain ça l'y loué peut-être pour le défait de l'autre bagaille, dans le gym qui était à Genna, l'y loué, douane, l'y loué à PN. Pour l'argent. Mais où t'es? Et ça, oui. Sans Jimmy qui était à Genna, pas qu'on est. Si Jimmy qui était à Genna, tu connais ça, tu as fait le décal à PN, ni tout. Mais comme c'est où même qui a acquaintance avec APN? Donc c'est où même qui fait ça? Et Dieu seul, c'est pas Johnny Ferdinand qui a parlé, c'est ULCC qui a parlé. Véritable propriétaire terrain ça c'est monsieur Volny Poltre. Eh bien monsieur Lenor Exantus lui-même lui loué terrain en main monsieur Poltre et puis là le sous-loué avec APN sans autorisation véritable propriétaire. Commission enquête là guerrier du seul. Aller plus loin pour le dire. Contrat sous location parking ça que UPC Saint-Marc là gagné avec monsieur Exactus, guerrier du seul, lui permettre que M. Sahar fait un profit de plus de 20 000 $ américains. Ça veut dire guerrier. Lui sous-loué terrain à APN pour 50 000 $américains. Or, d'après ça, lui-même, il était gagné comme clause avec M. Pold, il était loué le lamel pour 30 000 $américains. Je vais reprendre ça. Terrain ça, ou t'es loué dans le même Jimmy Clité à Genna, guerrier du seul, ou t'es loué le lamel pour 50 000 $américains. Comme moi, j'ai acquaintance avec douane, ou louer douane pour 50 000 $américains, donc ou vient faire 20 000 $américains bénéfice. Sans Jimmy Clité à Genna, pas connu. Il y a du seul, n'a pas poursuivre avec rapport ULCC. Bon business. Aïe, 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 aïe. Ok. Et, guerrier du seul, d'après ça qui te gagné comme clause dans contrat location monsieur Paul avec Exantis là, eh bien Exantis te dit la baille monsieur Paul $25 000 américains pour année 2021 et la balle $30 000 américains pour 4 années critères. Pas rappeler $30 000 américains ça chaque année
monsieur a fait $20,000 américains parce que il loué à PNC Macla terrain pour $50,000 US. Là avancé guerrier. Commission a constaté responsable à PNC Macio permettre yo guerrier pour yo payer prix location terrain yo en dollars américains. La République notez ça. Commission a constaté guerrier du seul responsable à PNC Macio permettre yo pour yo payer l'agent location terrain ça yo en dollars américains. Ça veut dire $50,000 américains ça. M'a parlé la guerrier du seul. C'est pas un good no évalué là tout du jour pour yo payer les gars. Yo bal bon gens $50,000 vête là. Selon ULCC. Ça pour jamais un guerrier. Bon m'zore, ou bien comprendre. Ça n'est que fait. Et information ça, ULCC partagé dans le rapport, il dit administrateur même UPC Saint-Maclan, M. Grégoire Valset, lui confirme dans le moment où tu as répondu une question, enquêteur ULCC, le 14 juin 2022. Et il y a plusieurs propriétaires de terrain autour, les ULCC pas là avec eux qui confirment ça. Sorti octobre 2017, guerrier du seul. Pour arriver septembre 2021, APNC Macla payé pour location parking seulement $676,000 américains. Pour combien de temps? Sauti 2017 pour arriver 2021, soit sur une période de 4 ans. Mais bon, il faut saisir, c'est pourquoi là le problème. Comme ça m'a parlé, ce n'est pas ni virement bancaire qui fait, ce n'est pas ni chèque qui baille. Son argent au pays cash. Cash. Oui, c'est pas Johnny Verdina qui a parlé. L'ULCC est allé plus loin pour dire guerrier du sel. L'a noté, règlement frais location en CAISA, c'est en violation article 77, arrêté 16 février 2005, là, qui vient pour être règlement général comptabilité publique, là, selon lequel paiement dépenses publiques doit être fait par virement ou chèque. Ça m'a dit à l'heure. Donc, violation texte à guerrier. Dieu seul, lui entraîne selon ILCC, on manque à gagner pour le trésor public, dont un montant qui est estimé à $57,650 américains, qui représentait 10% l'agent $576,500 américains, ça, que APNC Maclaba en cash pour louer espace pour parking machine pour faire stationnement guerrier du seul. On a pris aller, guerrier. Et pour utiliser l'utilisation de visa américaine, pour capable payer location ça au guerrier du seul. ULCC aller plus loin pour le dire. Monsieur APNC Macio, il passé en papier circulaire numéro 029 Banque République d'Haïti. N'a pas rappelé circulaire ça t'est publié le 30 avril 2014 et bon l'autre quoi qui devine sorti le 23 juillet 2014 qui était porté signature Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Eh bien, qui t'est fait obligation à institution publique yo pour payer tout contrat yo conclu avec des entreprises ou des particuliers en good quelle que soit source de financement. Responsable APN Saint-Macio ta doué sanctionné pour faute gestion suivant disposition article 98 loi 4 mai 2016 là qui devine remplacer décret 16 février 2005 là sous processus élaboration et exécution loi financière guerrier du seul. OK. Commission 1, la poursuivre guerrier pour le dire. Enquêteur doit signaler tout. Pour plusieurs parkings, dans tout parking, APNC Macla, loué au guerrier du seul. Eh bien, à partir d'un moment, l'agent est X, et puis à partir d'un autre moment, l'agent vient augmenter de manière exponentielle. Mais ça veut dire guerrier. Là, faire location avec propriétaire terrien. Good. Okay. En toute logique, si nous le nommons, c'est ça. Nous t'entendons. C'est garder, regarder. Première année à 10 good, et puis deuxième année à, il y a monsieur 30 good, troisième année au cabal 40 good, quatrième année au 50. La preuve à l'heure. Mais c'est pas pour tout terrain, pour l'histoire et pour la vérité. Selon ULCC, c'est quelque intérêt. Ça veut dire que ça y est, que Guacuetas, un APNC Macla Gaillé, c'est pas moi qui parle, c'est ULCC. C'est ULCC qui parle. Et augmentation ULCC a parlé là, en pile n'a augmenté de 27% par rapport au prix initial. Donc, s'il te dit good avant, donc, ou gardez l'année prochaine, ou est
yo mette 25% dans 10 gouttes ça sous comme ça. Pas contre sous comprendre guerre seul. Voilà, voilà. Sans aucune justification. Est-ce que c'est terrain qui vient plus gros? Est-ce que gros travail qui fait en plus dans terrain? Est-ce que vous n'avez pas sécurité dans terrain? On a regardé Gisaruel, c'est ces guerrier et grand timounouyer. Inflation, inflation. Il y a deux parkings qui sont les terminal Alix Nessival numéro 1 et terminal Alix Nessival numéro 2. Yo pour monsieur Jean Alix Nessival. Qui sa commission a constaté guerrier du seul? Sans aucune raison particulière, sans aucune pièce justificative, yo joine l'agent premier terminal là, l'agent premier parking dans s'ouvre guerrier du seul, li passé de 800 à 1000 dollars probablement pas moi et deuxième là de 1300 à 1500 guerrier du seul. Là opposé monsieur Grégoire Valsin qui est administrateur UPC à question sur ça. Ce qu'on aime, je dis. Mm-hmm. Monsieur, eh bien, fait commission enquête là, comprenne. Et yo fait en fonction de l'augmentation superficie terrain. Yo. Mais ça veut dire. Ça veut dire, dans la première année, si terrain était, par exemple, 10 mètres carrés de superficie, uh-huh. Donc, deuxième année, c'est que vous doit mettre 2 mètres carrés, on va faire 12 mètres carrés. Comment ça? Yo, bon, ça, monsieur, ben, comme explication. Yo gen ba yo meto 1 mètre carré encore fait 3 mètres carrés yo augmenter terrain avez-y augmenter donc selon ça me comprendre OK plus yo augmenter terrain pendant comme la monter c'est plus la monter peut-être gen plus machine qui rentrer probablement et ben on a regardé qui ça on a regardé qui ça constat commission les gars Jésus seul et ben la commission a regardé dégel superficie terrain de stationnement ça yo que monsieur Nessival loué UPC gagné du seul qui ça rejoint gagné du seul terrain yo pas aucun agrandissement vrai terrain yo pas ni augmenté yo pas ni réduit guerrier terrain toujours été même j'ai dès le départ guerrier du seul sous baza guerrier du seul commission enquête la recommandé parmi un paquet de recommandations administratives pour mettre action publique en mouvement contre actuel directeur APNC Macla monsieur Anel Camille contre ancien directeur APNC Macla monsieur Nola Marius pour sa relé abus de fonction et complicité de prise illégale d'intérêt. Et puis ULCC recommande tout pour yo poursuivre la justice actuel administrateur APNC Macla monsieur Grégoire Valsin pour poursuivre facturier APN monsieur Calenri Dorielan à coordonnateur dans direction générale APN monsieur John Altenor pour sa relé prise illégale d'intérêt. Ils ont fait que article 5.13 loi 12 mars 2014 qui gagne pour avec prévention et puis répression corruption les mêmes les prévoit et puis punit.